les gens ne peuvent pas parler, ne peuvent pas dire un mot en solidarité avec ce qui se passe à Gaza. Même si on est tous des Palestiniens, on n'arrive pas à s'exprimer, on va dire. Il y a des arrestations, il y a des plaintes qui prend lieu contre les Palestiniens en territoire de 48 s'ils écrivent un post sur Facebook ou même s'ils expriment leur un like, je veux dire, sur Instagram ou sur les médias sociaux. Donc, oui.